Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens. Je viens boire aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Je veux voir ta gloire, Yéla. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Dans ma maison, lève-toi, Yéla. Moi, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Lève-toi, 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 lève-toi. Oh, lève-toi, visite-moi, Yahweh. Ouvre le ciel sur ma vie. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez bénis, édifiés, fortifiés. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, soyez remplis du Saint-Esprit ce matin. Et nous disons bonjour au Saint-Esprit. Saint-Esprit, bonjour. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dès le matin, nous commençons, nous acclamons le Seigneur, car il est merveilleux, car il est le Seigneur, car il est le Dieu puissant. Nous bénissons grandement le Seigneur. Shalom, shalom à tout le monde.
Shalom, alléluia, aux fils et aux fils, aux filles spirituelles. Shalom, shalom, aux bien-aimés dans le Seigneur qui se sont connectés pour la première fois. Je vous dis un grand shalom et soyez le bienvenu ou la bienvenue. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée dans cette journée, dans cette matinée. Alléluia, où nous cherchons la face de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une excellente matinée déjà. Alléluia, lorsque nous tournons le regard sur lui, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrira point de la honte, mais nous serons embellis, alléluia, par la grâce et par sa faveur et par sa splendeur. Alléluia, aujourd'hui encore ce matin, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi la porte de la grâce, la porte de la bénédiction, la porte, alléluia, de la guérison, la porte des miracles, ainsi de suite. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié, glorifié, glorifié. Hosanna, hosanna, hosanna. Alors ce matin, nous allons rendre gloire à Dieu car l'Éternel des armées nous a donné encore un souffle nouveau. Le souffle de vie, alléluia, ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui de retirer son souffle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous changeons l'identité, nous changeons même le nom. On n'appellera plus un tel, on nous appellera maintenant le cadavre. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes vraiment dans la joie d'être, alléluia, dans la présence de notre Seigneur et d'être aussi compté parmi les vivants. Amen. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Alléluia, je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Je vais bénir le nom du Seigneur. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tendre Père, je viens te louer, je viens t'exalter parce que ce matin encore, tu nous as ouvert des portes, Seigneur de gloire. Ta porte, elle est grandement ouverte, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, dîner, pour que nous puissions manger, pour que nous puissions recevoir, ô Dieu, ta bénédiction. Merci, Tendre Père, merci pour le don de l'Esprit Saint. Merci pour ta faveur ce matin. Merci parce que tu veux encore, Seigneur, nous bénir. Parce que tu veux encore, Seigneur, nous solutionner, Seigneur de gloire, Père. Solutionner nos problèmes. Solutionner, Seigneur de gloire, Père, nos requêtes. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette force. Merci pour cette énergie que tu nous donnes dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je recommande mes frères et sœurs. Je recommande la tour de prière semaine. Je recommande tout un chacun de nous, Seigneur, bénis et protège. Garde-nous fidèles à toi. Viens, Seigneur de gloire, et règne dans notre cœur. Afin que nous puissions, ô Dieu, écouter le son de ta voix. Afin que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans ce temps où nous voulons, Seigneur, t'invoquer encore. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu, car la Bible nous dit, invoque-moi, alléluia, au jour de la détresse, et tu me glorifieras. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que ton nom soit glorifié ce matin, parce que tu es le Dieu puissant. Merci, tendre Père, pour le souffle nouveau, pour la grâce nouvelle, pour la journée nouvelle, alléluia, pour ta bonté nouvelle. Que ton nom soit béni de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons si prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Wow, j'acclame le Seigneur encore. Gloire au Seigneur. Il est glorieux, notre Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Bon, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 10 au verset 9. Jean chapitre 10 au verset 9. Évangile selon Saint Jean, chapitre 10 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, « Je suis la porte ».
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Parole du Seigneur. Seigneur, cette parole soit vie et esprit dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre chair, dans notre corps, dans notre mouvement, dans notre mentalité, dans notre conscience, dans notre faculté de l'intelligence, dans notre esprit. Manifeste de ta grâce. Seigneur, cette parole, elle est la tienne. Cette parole, Seigneur de gloire, t'appartienne. Ô Dieu de gloire, et que cette parole soit incarnée au-dedans de nous, afin de nous donner, Seigneur, ô Dieu, la révélation. De nous donner, Seigneur, la bonne marche. De nous donner, Seigneur, la bonne conduite. Comment nous allons marcher, ô Dieu, avec toi. Sur ta parole, Seigneur, Dieu de gloire. Ô Dieu, comme Pierre a dit, je jetterai mon filet. Père éternel, de la même manière, ce matin, nous voulons que cette parole soit incarnée au-dedans de nos cœurs. Cette parole soit implantée dans nos cœurs. Cette parole, Seigneur de gloire, soit encore, ô Dieu, à l'intérieur et à l'extérieur de nos vies. Et que ton nom soit béni, Seigneur, et que cette parole soit vie et esprit dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit donc de la porte de la grâce. Il s'agit donc de la porte, alléluia, pour que nous puissions être sauvés. Il s'agit donc de la porte où nous allons nous réfugier, alléluia. C'est-à-dire, nous rentrons dans la porte de Christ pour avoir le souffle nouveau, pour avoir le repos, pour avoir la consolation, pour avoir, alléluia, la protection ou la sécurité dans nos vies, pour avoir aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, à manger. Oui, parce que quand tu rentres dans une maison, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as franchi une porte pour avoir la solution, pour trouver, alléluia, quelque chose que tu es en train de chercher. Et nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui détient toutes choses, car c'est lui l'eau de vie, c'est lui le pain de vie, c'est lui la porte, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Amen. Donc, nous entrons, alléluia, dans sa porte, alléluia. Nous entrons dans sa porte afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons réellement restaurés. Amen. Donc, aujourd'hui, ce matin, tu vas demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi la porte. Toi-même, tu connais cette porte-là, elle est encore fermée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la porte où Jésus-Christ est en train de dire, c'est-à-dire le besoin que tu as. Alléluia, le besoin. Fais connaître ton besoin à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, dans toutes sortes de prières, en fait. Alors, nous entrons, nous demandons la faveur de Dieu. Chacun de nous a besoin que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Comme mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je donne un exemple. J'ai cherché à tout prix à faire... La naturalisation, mais à chaque fois le site était toujours dans le bug, le site était toujours fermé. Il y avait pas l'accès. Quand tu rentres, donc il y a pas de place, au fait. Donc cela veut dire que non, j'ai besoin d'une porte, j'ai besoin que la porte s'ouvre pour que je puisse avoir la naturalisation. Amen. De la même manière, chacun de nous a un besoin quelconque, a un besoin culminant, a un besoin que Dieu puisse ouvrir la porte, alléluia, dans sa vie. Alors, Jésus-Christ, il se tient devant la porte pour dire, je suis la porte. Il se tient devant toi ce matin pour dire, je suis la porte. Il se tient devant toi pour te dire, je suis la porte. Il se tient devant moi pour dire, je suis la porte. Si quelqu'un, et là maintenant il dit, si quelqu'un, il y a une condition toujours. Dieu, en fait, Jésus-Christ, il ne nous impose pas, mais il nous montre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que si nous voulons, et c'est-à-dire il nous conseille, ma bien-aimée dans le Seigneur, mais c'est, il nous dit, si quelqu'un. Donc, il cherche parmi nous, parmi le peuple, parmi les nations. Il dit, si simplement quelqu'un rentre par moi, pas par une autre personne, mais par lui-même, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur, qui est la parole.
il sera sauvé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous abonner sur la parole de Christ. Nous devons nous installer sur la parole de Christ. Si quelqu'un entre par moi, par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il sera sauvé. En d'autres termes, c'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il sera quoi? Il sera sauvé. C'est-à-dire, Dieu va te sauver. C'est-à-dire, tu ne seras plus condamné à mort. Amen. Tu ne seras plus condamné à mort, mais tu seras sauvé. Tu seras réellement, alléluia, justifié, parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et il dit encore, il rentrera, alléluia, il rentrera. C'est-à-dire, tu es d'abord sauvé, alléluia, tu rentres par lui. Et puis, deuxième des choses, tu es sauvé. Et troisième des choses, tu rentres. Et quatrième des choses, tu sors. Tu sortiras, c'est-à-dire quand il dit tu rentres, maintenant rentrer, deuxième rentrée, parce qu'il dit première rentrée, rentrée par moi. Ça c'est le premier rentrée quand quelqu'un le reçoit, alléluia, comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, qu'il sera sauvé. Et la troisième des choses, il rentrera. Il rentrera, cela veut dire tu vas commencer à explorer, voilà le mot. Et tu dois explorer les merveilles de l'Éternel. Tu dois explorer la grandeur de Dieu, les puissances de Dieu, la vitalité de Dieu. Alléluia, tu vas commencer à explorer le bonheur qui se trouve en Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à manger la Sainte Cène. Waouh! Amen. Tu vas commencer à communier avec lui. Tu vas manger son corps. Tu vas boire sa coupe. Amen. Qui est son sang de la nouvelle alliance. Amen. Et il dit, tu sortiras. Quand tu vas sortir, c'est-à-dire sortir pour aller prêcher la parole. Sortir pour aller témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Sortir pour aller témoigner les miracles que Dieu accomplit dans ta vie. C'est-à-dire sortir pour aller dans les nations, pour aller en Judée, pour aller en Samarie, pour aller aux extrémités de la terre. Pourquoi? Pour annoncer sa parole. Et il dit, par la suite, quand tu finis cela, alléluia, tu trouveras maintenant de pâturage. Tu trouveras de pâturage. De pâturage veut dire le repos, le lieu du repos. Alléluia. Le Dieu de la tranquillité. Tu vas trouver le lieu de la tranquillité. Tu dois jouir du bonheur de l'Éternel des armées. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire que Jésus-Christ est le chemin. Nous devons croire que Jésus-Christ et la vie, nous devons croire que Jésus-Christ est la porte, nous devons croire et que Jésus-Christ est le pain de vie, l'eau de vie, la source intarissable. Gloire au Seigneur, amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons faire, alléluia, la prière ce matin. Alors tu vas dire ce matin, Rima Kabo Shaya Manderevoshi. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre gloire à Dieu, car l'Éternel Dieu a voulu que nous puissions écouter cette parole. Tu vas dire simplement, Seigneur, je te remercie parce que tu es ma porte. Alléluia. Tu es ma porte de vie. Tu es ma porte de bénédiction. Tu es ma porte de ma solution. Tu es ma porte de mon repos. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, Roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs. Merci, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, encore, tu es la porte de ma vie, tu es la porte, Seigneur, de mon miracle, tu es la porte, Seigneur, de gloire, de ma protection, tu es la porte de ma bénédiction. Je te loue ce matin, je te glorifie, toi le Roi de gloire, toi le Seigneur de Seigneurs. Merci parce que tu veux que je puisse écouter cette parole. Tu veux que je puisse écouter, Seigneur, le son de ta voix, au travers de ton oint. Seigneur Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Béni soit ton nom ce matin, parce que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous dit, Seigneur,
Tu y es la porte de notre vie. Que ton nom soit béni ce matin. Merci Père éternel Dieu, parce que nous savons Seigneur, la porte de la grâce est là. Oui Seigneur, que ton nom soit béni, car tu nous montres Seigneur, que c'est toi qui es la vraie porte Seigneur. Oh béni soit ton nom ce matin. Je te loue ce matin Seigneur Dieu. Je te glorifie car Seigneur, je sais que oh Dieu, ta parole Seigneur, lorsque ça sort Seigneur, pour arroser, pour accomplir Seigneur, le but par lequel Seigneur, là, elle a été envoyée. Que ton nom soit béni Seigneur ce matin, que ton nom soit glorifié dans ma vie Seigneur. Je te loue infiniment, je te glorifie ô Seigneur. Merci parce que Seigneur, c'est toi Seigneur qui es, alléluia, la porte de ma réussite, la porte Seigneur de ma grâce, la porte Seigneur de gloire Père, ô Dieu de ma source. Que ton nom soit béni de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons aussi prié avec action des grâces. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ est en train de dire, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé », il est en train de dire que nous pouvons aussi demander pardon. Si quelqu'un demande pardon, alléluia, à mon nom, il va recevoir, alléluia, le pardon du péché. Alors ce matin, alléluia, nous allons demander à Dieu que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner de tout mal. Que Dieu puisse nous pardonner de tout péché. Alléluia, mais bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu as trouvé notre porte qui était le raccourci. Pour toi, tu voyais ça, c'était un raccourci. Mais la porte est là, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la porte du péché, c'est la porte de la transgression, c'est la porte de l'égoïsme, c'est la porte de l'injustice. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Voilà, nous devons savoir. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Amen, amen. Alors nous allons demander pardon à Dieu, car le juste est fidèle pour nous pardonner de tout péché. Il dit dans Matthieu, nous connaissons Matthieu 11, 28. Alléluia, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Ainsi, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas simplement dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais frappé à une autre porte du péché, une autre porte de l'égoïsme, une porte, alléluia, de l'incrédulité, une porte de manque d'amour. Je te demande, pardonne-moi ce matin. Alléluia, prions le Seigneur. Tendre Père, me voici devant toi, oh Dieu. Toi qui connais mon cœur, tu connais ma vie. Oui, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, tu connais ma vie, Seigneur. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas à pécher, Seigneur Dieu. Je te prie ce matin de me pardonner parce que j'ai frappé à la porte, Seigneur de gloire, Père, de l'orgueil. J'ai frappé à la porte, Seigneur de gloire, oh Dieu du péché, Seigneur. J'ai frappé à la porte, Seigneur de gloire, du mensonge. Oh Dieu de gloire, pardonne mon mensonge. Pardonne, Seigneur, mes lacunes. Pardonne, Seigneur, oh Dieu Père, les commérages dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, mes fautes, Seigneur Dieu. Père, je te prie ce matin, Seigneur, de me pardonner. Oh Dieu de gloire, par ton amour, je viens ce matin. Par ton amour, je viens ce matin. Par ta grâce, je viens ce matin, oh Dieu de gloire, pour demander pardon, miséricorde. Oh Dieu, pardonne ma façon d'être. Pardonne mon langage. Pardonne ma conduite. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Pardonne ma maison. Pardonne mes enfants. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, je te prie. Oh Dieu de gloire, Père, je te prie ce matin. Oh Dieu de gloire, je ne veux pas, Seigneur de gloire, Père, demeurer dans le péché. Je ne veux pas que le péché, Seigneur, soit, Seigneur, mon ami. Je ne veux pas que le péché soit dans mon cœur. Je ne veux pas que le péché soit, Seigneur, dans mes pensées. Je ne veux pas que le péché soit dans ma bouche. Et que cette bouche ne soit pas, Seigneur de gloire, une bouche mensongère. Je ne veux pas cela, oh Dieu de gloire. Je te demande, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, mes faiblesses. Mes faiblesses, Seigneur de gloire, Père. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur. Je parle beaucoup, Seigneur de gloire, Père. Et par la suite, il y a le péché. Je te prie ce matin.
matin, de me pardonner. Pardonne mon cœur ce matin. Nettoie ma vie ce matin, oh Dieu de gloire. Pardonne-moi, toi qui pardonnes le mieux, Seigneur. Toi qui me dis, Seigneur de gloire, que je vienne, Seigneur, devant toi et jeter, Seigneur de gloire, Père, mes fardeaux devant ta présence. Oh, voici, Seigneur de gloire, je viens devant ta présence. Oh Dieu, décharge-moi ce matin. Décharge-moi ce matin, Seigneur. Toi qui connais mon cœur, toi qui connais ma vie, Seigneur, tel que je suis, je viens. Sincèrement, je viens devant toi, Seigneur, pour dire pardonne-moi, Seigneur. J'ai commis des péchés, Seigneur de gloire. Pardonne-moi, Seigneur de gloire, j'ai pensé mal. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu de gloire, paix. Oh Dieu, je te prie ce matin. Je te prie ce matin, Seigneur de gloire, enlève l'égoïsme dans mon cœur. Enlève, Seigneur, le commérage dans ma vie. Enlève les zizanies dans mon cœur. Enlève la fausseté dans mon cœur. Dieu, je te prie ce matin de me pardonner. Pardonne mon cœur ce matin. Pardonne ma vie ce matin. Et que, Seigneur, je sois pardonné par toi, Seigneur Dieu de gloire. Comme tu as dit, Seigneur, que je puisse venir auprès de ton trône, Seigneur, pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce à tes yeux ce matin. Voilà pourquoi je te dis pardonne mon cœur. Pardonne la tour de prière ce matin. Pardonnez-nous, Seigneur Dieu de gloire, nos offenses. Pardonnez-nous, Seigneur, nos lacunes. Pardonnez-nous nos manquements. Pardonnez-nous, Seigneur, nos petitesses. Pardonnez-nous, Seigneur, toutefois, Seigneur, nos actes n'ont pas été ce qu'il aurait dû être. Oui, Seigneur, je te prie ce matin de nous pardonner dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons rentrer maintenant, mes bien-aimés, dans la douche. Alléluia, pour se laver, pour se baigner dans le sang de l'agneau. Alléluia. Rentrons dans la douche, alléluia, du sang de l'agneau ce matin. Rentrons dans la douche du sang de l'agneau ce matin pour que nous soyons nettoyés, lavés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est le sang de l'agneau qui enlève le péché, qui enlève les transgressions, l'abomination. C'est le sang de l'agneau qui efface nos transgressions, nos péchés. Alléluia, il est juste et fidèle pour effacer, pour oublier le péché, pour nettoyer nos vies. Alors ce matin, tu vas demander la purification de ton cœur, la purification de ton âme. Dis simplement, Seigneur, purifie ma vie par ton sang. Par ton sang qui a été coulé sur la croix, je vais être purifié par ton sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, voyez-vous, si vous entrez dans la douche pour vous laver avec de l'eau, avec du savon, mais bien aimé, vous serez propre. Il n'y aura plus la saleté, il n'y aura plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, la saleté, au fait, dans votre corps sera bien soigné. Alléluia, à combien plus forte raison maintenant dans le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous avons notre rédemption. Alléluia, nous avons le pardon du péché. Voilà pourquoi nous allons demander la purification de notre âme, la purification de notre cœur, la purification de notre, alléluia, corps, et que Dieu Jésus-Christ puisse nous purifier par son sang, car son sang parle encore à notre faveur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi, ô Dieu de gloire. Nous voici devant toi ce matin, nous voulons la purification de nos âmes par le sang de l'agneau. Nous voulons entrer maintenant dans la douche du sang de l'agneau et que le sang de l'agneau puisse nous laver, comme il est dit dans Jean 1, 9. Alléluia, l'agneau de Dieu est là qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu est là qui lave réellement nos souillures, nos saletés. L'agneau de Dieu lave nos cœurs ce matin, lave nos vies ce matin, lave nos pensées ce matin, lave notre attitude ce matin, notre faculté de l'intelligence soit nettoyée, lavée par le sang ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Père, je viens devant toi, je viens devant ta grâce ce matin, implorer ta miséricorde par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau puisse parler à ma faveur, que le sang de l'agneau puisse purifier nos âmes, que le sang de l'agneau puisse nettoyer nos vies, que le sang de l'agneau puisse restaurer encore ce matin. Oui, lavé par le sang de l'agneau, nous serons plus blancs que la neige. Lavé par le sang de l'agneau, nous aurons la vie éternelle. Lavé par le sang de l'agneau, nous aurons le pardon du péché. Alléluia. Oh, ce matin, nous voulons être pardonnés. Alléluia, nous voulons être purifiés. Purifie nos cœurs ce matin. Nettoie nos vies ce matin. Nettoie nos pensées ce matin. Et que nous soyons lavés. Et que nous soyons purifiés ce matin par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui parle mieux. C'est le sang de l'agneau qui enlève. Qui enlève, oh, le péché du monde. C'est le sang de l'agneau qui enlève tout ce qui est bloqué, qui bloque nos vies. Oh, ce matin, que nous soyons purifiés par le sang.
par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau puisse parler à notre journée. Le sang de l'agneau puisse parler à nos vies. Le sang de l'agneau puisse nettoyer corps et âme, esprit, de maintenant et à jamais. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie ce matin. Purifie mon langage, purifie ma conduite, purifie ma façon d'être, purifie mes gestes, purifie mes mouvements, purifie mes yeux. Lave mon cœur ce matin. Oh, lave-moi ce matin. Oh, je veux être purifié. Purifie ma maison. Oh, Jésus-Christ, et que ton sang me lave, et que ton sang me purifie, et que ton sang me nettoie, corps et âme, esprit. Nettoie ma vie, nettoie mon cœur, nettoie mon âme. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave mon cœur par le sang de l'agneau. Afin que je sois nettoyé, afin que je sois justifié, afin que je sois pardonné ce matin. Purifie au-dedans de moi et pure-moi ce matin. Nettoie ma vie ce matin. Enlève la fausseté, l'hypocrisie. Enlève le mensonge. Nettoie encore. Nettoie encore à l'intérieur et à l'extérieur de mon cœur. À l'extérieur de ma vie. Au-dedans de ma vie. Oh, le sang de l'agneau. Parle à ma faveur ce matin. Parle à ma faveur ce matin. Je t'en besoin. Je t'en besoin. Besoin du sang de l'agneau ce matin. Besoin du sang de l'agneau ce matin. Et que le sang de l'agneau me justifie. Par le sang de l'agneau, je suis plus que vainqueur. Par le sang de l'agneau, je suis restauré. Par le sang de l'agneau, je suis alors pardonné. Efface le péché. Efface le péché ce matin par ton sang. Le sang qui ôte le péché. Le sang qui lave ma vie. Nettoie ma maison. Nettoie mon caractère. Nettoie ma vie ce matin dans le nom de Jésus. Ah, que ton sang purifie, que ton sang justifie ma vie ce matin, que ton sang me lave, me couvre ce matin, que ton sang me pardonne ce matin, que ton sang, alléluia, enlève tout ce qui est la fausseté, tout ce qui est du vol, tout ce qui est le goût du monde, que ton sang me lave, que ton sang me lave, corps et âme, esprit, lave-moi ce matin, tendre paix, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, la pub déclare, ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau. Père éternel, Dieu de gloire, je témoigne ce sang. Le sang de l'agneau me lave. Le sang de l'agneau me purifie. Le sang de l'agneau me nettoie. Le sang de l'agneau me qualifie. Le sang de l'agneau, oh alléluia, me régénère. Ce matin, nettoie ma vie ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Oh, purifie mon cœur. Purifie mon âme. Purifie mon corps. Purifie mes yeux. Purifie mes mouvements. Purifie ma conscience ce matin. Et que je sois lavé. Et que je sois lavé ce matin. Je ne vais pas rester sale. Je ne vais pas rester dans le péché. Je ne vais pas rester dans la stagnation. Je ne vais pas rester dans la chair. Oh, je veux que je sois nettoyé. Nettoie mon corps. Nettoie ma vie. Et que ma vie puisse refléter ta gloire. Oh, que le sang de l'agneau puisse parler à ma faveur ce matin. Au nom de Jésus, que ton sang me lave ce matin. Que ton sang me purifie ce matin. Que ton sang me qualifie ce matin. Que ton sang ôte le péché, le fardeau. Ôte le mal au-dedans de mon cœur. Ôte les mauvaises pensées. Les mauvaises, alléluia, paroles. Oh, le sang de l'agneau me lave ce matin dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Que l'or et l'argent purifient mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons demander le sang de l'agneau ce matin. Tu vas dire ce matin. Le sang de l'agneau, le Saint-Esprit. Nous allons demander le Saint-Esprit ce matin. Alléluia, tu vas dire simplement, Saint-Esprit, je vais entrer, alléluia, dans la porte, alléluia, du cœur de Christ pour vivre la sanctification, la sainteté,
Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas encore dire ce matin, je veux, Saint-Esprit, je veux entrer dans la porte du cœur de Christ pour vivre, alléluia, la sainteté, la sanctification. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te ramène dans la porte du cœur de Christ pour vivre la sanctification. Alléluia, la sanctification, la sainteté dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia, prions le Seigneur. Alléluia, prions le Seigneur. Oh Saint-Esprit, je veux ce matin, alléluia, rentrer dans la porte du cœur de Christ. Alléluia. Je veux ce matin rentrer dans la porte du cœur de Christ ce matin pour vivre la sanctification, la sainteté dans mon cœur, la sainteté dans mes paroles, la sainteté dans ma conduite. Ô Saint-Esprit, je veux que tu me ramènes, alléluia, dans la porte de Christ, la porte du cœur de Christ ce matin, afin de vivre la sanctification, la sainteté, alléluia, la piété dans mon cœur, la piété dans ma vie, dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, je veux ce matin rentrer dans la porte qui est Christ, la porte qui est le cœur de Christ, la porte de Christ ce matin pour vivre, alléluia, la sanctification, la sainteté, la justification, et que je sois saint, et que je sois agréable, et que je sois saint, et que la sainteté soit réellement mon mode de vie, et que la sanctification soit mon caractère. Ô Saint-Esprit de Dieu, comme tu es saint, moi aussi je veux être saint. Alors je vais rentrer dans la porte du cœur de Christ ce matin pour vivre, alléluia, la sainteté totale, pour vivre la sanctification totale, pour vivre la dévotion totale dans le nom de Jésus. Ah, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce matin encore, je veux que je sois rentré dans le cœur du Christ ce matin, au nom de Jésus, pour vivre la sanctification, la sainteté de Dieu, la piété, et que je sois juste, et que je sois intègre, et que je sois correct, et que je sois réellement parfait. Oui, c'est possible avec toi le Saint-Esprit, c'est possible d'être parfait, c'est possible d'être saint. Oui, ce matin, je veux entrer dans la porte du cœur de Christ. Je veux entrer dans la porte du cœur de Christ ce matin, afin d'être sanctifié, afin d'être juste, afin d'être sincère, afin d'être dans la piété, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, apprivoise mon cœur. Ce matin, énergise-moi, donne-moi la force d'y entrer ce matin, dans le cœur de Christ, dans le cœur de Christ, que je puisse vivre la sanctification, et que je puisse vivre la sainteté, et que je puisse vivre la piété dans ma vie, et que la vérité soit le langage de ma vie, la sanctification soit mon mode de vie, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit ne me laisse pas, je viens ce matin, et que je sois entré ce matin dans le cœur de Christ ce matin, afin de vivre la sanctification, la sainteté en soi. Oh, je ne vais pas plaire au monde, mais je vais te plaire à toi, Dieu véritable. Oh, ce matin, Saint-Esprit, fais-moi rentrer dans la porte du cœur de Christ ce matin, afin de vivre la sanctification, la justice de Dieu, alléluia, la purification, alléluia, au nom de Jésus, et que la communion parfaite, et que la sanctification, la sainteté, la piété, et que je sois rempli de ton onction, rempli du Saint-Esprit, rempli de la révélation, rempli de la parole. Oh, ce matin, je veux entrer dans la porte du cœur de Christ ce matin. Saint-Esprit, ramène-moi, attire-moi à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Attire-moi à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Attire-moi à toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, Saint-Esprit, je veux ce matin rentrer dans la porte du cœur de Christ. Je vais rentrer ce matin dans la porte du cœur de Christ. Oh, Saint-Esprit, je veux, c'est ça ma prière, c'est ça mon désir. Oh, ce matin, Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Oh, je veux ce matin rentrer, alléluia, dans la porte du cœur de Christ pour vivre la sanctification, la sainteté, alléluia, la dévotion, l'amour du Christ dans mon âme, dans mon esprit, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth.
Ah, Saint-Esprit de Dieu, manifeste de ta puissance dans mon cœur. Manifeste de ta présence dans ma vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De maintenant et à jamais. Ah, j'ai besoin de toi ce matin. Ah, j'ai besoin de toi ce matin dans mon cœur. J'ai besoin de toi dans mon âme. J'ai besoin de toi dans mon esprit. Saint-Esprit, ramène-moi ce matin dans le nom de Jésus. Devant le trône, alléluia, de la grâce. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas dire ce matin. Alléluia, tu vas dire ce matin. Ô Père, que ta source d'eau vive coule en moi. Alléluia, afin que je puisse. Alléluia, afin que ma bénédiction soit multipliée. Ouvre-moi ce matin la porte. Alléluia, tu vas dire ce matin, je répète encore. Ô Père, que ta source d'eau vive coule en moi, afin que ma bénédiction soit multipliée, afin que ma porte, alléluia, soit ouverte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Ô tendre Père, me voici devant toi. Ce matin, je demande la source, ta source à toi, la source de l'eau vive, la source d'eau vive ce matin. Coule au-dedans de mon cœur, coule au-dedans de ma vie, en fait que ma bénédiction soit multipliée, en fait que ma vie soit encore, Seigneur de gloire, Père, dans la plénitude ce matin, et que tu puisses multiplier, et que tu puisses me donner, Seigneur de gloire, l'opportunité nouvelle, dans le nom de Jésus-Christ. Ô mon Père, ce matin, que ta source d'eau vive coule au-dedans de mon cœur, coule au-dedans de ma vie, en fait que ma bénédiction soit multipliée, enfin que ce matin, ma vie soit enrichie. Oh, ce matin, au temps de paix, je veux ce matin que cette porte, Seigneur, m'ouvre, Seigneur, oh Dieu, la grâce, m'ouvre, Seigneur, voilà la source d'eau vive, m'ouvre ce matin la bénédiction multipliée au nom de Jésus. Père éternel, que ta source d'eau vive coule en moi ce matin, afin que je puisse, alléluia, vivre la bénédiction multipliée, la bénédiction en abondance ce matin. Oui, ce matin, Seigneur, et que les portes de la grâce s'ouvrent au-dedans de ma vie, afin que je puisse vivre ce matin ma bénédiction, Seigneur, ô Dieu de gloire, ma bénédiction, Seigneur de gloire, pleinement, ô Dieu en Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, dans le nom de Jésus. De maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu ce matin, alléluia, nous allons demander à Dieu ce matin que Dieu puisse nous donner la clé de la porte. Alléluia, afin que, mes bien-aimés, nous puissions explorer toutes les chambres possibles, toutes les locaux possibles, alléluia. Les locaux qui se trouvent à l'intérieur. Amen, amen. Et que nous puissions explorer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, tu vas demander à Dieu ce matin. Tu vas demander au Seigneur ce matin. Tu vas dire, ô Seigneur, donne-moi la clé de ta porte. Alléluia. Pour bénéficier, alléluia, du pâturage. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander au Seigneur ce matin. Ô Seigneur, donne-moi la clé de ta porte pour bénéficier. Alléluia, du pâturage dans le nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Ô tendre Père, nous voici ce matin, le Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, donne-nous, Seigneur, donne-nous la clé de ta porte ce matin, la porte de la faveur, la porte de la bénédiction, la porte pour bénéficier du pâturage, pour bénéficier des bonnes choses, pour bénéficier, alléluia, des opportunités que tu possèdes. Ce matin, ô Seigneur, donne-moi la clé de ta porte, la clé de ta porte ce matin, afin que je puisse bénéficier du pâturage. En d'autres termes, oh Dieu, je te prie ce matin, je te prie ce matin, et que la porte me soit donnée, et que la faveur me soit donnée, et que la richesse me soit donnée, et que la bénédiction me soit donnée, et que je puisse vivre le pâturage, du pâturage que tu as préservé pour moi. Oh Seigneur, donne-moi la clé, afin que je puisse explorer ta grandeur, explorer ta magnificence, explorer ta richesse, explorer ton pouvoir,
pouvoir, explorer ton autorité, explorer ta puissance, ta parole, ta vérité dans ma vie. Oh Seigneur, donnez-moi la clé ce matin, la clé de ta porte ce matin, afin de bénéficier du pâturage, afin de bénéficier, alléluia, des bonnes choses que tu as préservées pour moi, des bonnes choses que tu as mis dans les locaux, des bonnes choses que tu as mis dans les chambres, des bonnes choses que tu as mis dans la maison, les bonnes choses que tu as mis pour ma faveur. Oh, ce matin, oh Dieu, je te prie ce matin que tu me donnes la clé. Donne-moi la clé ce matin, alléluia, de ta porte. Donne-moi la clé ce matin de ta porte, afin que je puisse avoir l'autorité, afin que je puisse avoir l'audace, afin que je puisse avoir le pouvoir, afin que je puisse exercer, oh Dieu, ta parole dans ma vie. Oui, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, donne-moi la clé de ta porte, afin que je puisse dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et afin que je puisse parler, alléluia, oh, à la montagne, afin que je puisse parler, alléluia, au nom de Jésus-Christ, à tout esprit, dans le nom de Jésus, Rakabosaya, oh Seigneur de gloire, donne-moi la clé, donne-moi la clé de ta porte ce matin, afin de bénéficier du pâturage dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie ce matin, dans le nom de Jésus, et que la clé me soit donnée, et que ta clé me soit donnée ce matin, et que tout ce que je vais lier sur la terre soit lié là au ciel, tout ce que je vais décréter soit ainsi, alléluia, au Dieu de gloire, corps, exécuté, alléluia, dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-moi la clé, afin que je sois triomphant, afin que je sois plus que vainqueur, afin que je puisse bénéficier du pâturage, oui, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, oh, alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas prier encore le Seigneur, alors tu vas dire, mon Père, alors que je me tiens, alléluia, devant ta porte, alléluia, je répète, oh, mon Père, alors que je me tiens devant la porte du matin. Oui, tu vas dire ça. Alléluia. Mon Père, alors que je me tiens devant la porte du matin et que ma famille soit sauvée et que mes enfants soient sauvés et que mon mari soit sauvé et que mes frères et sœurs soient sauvés au nom de Jésus. Au fait, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander maintenant que ta famille soit sauvée. Lorsque tu rentres, toi tu es déjà rentré, il faudra que ta famille soit sauvée. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie, dans ta famille, et que tu puisses le recommander entre les mains de Dieu, et tu vas dire, oh mon Père, alors que je me tiens devant la porte du matin, que ma famille soit sauvée, que mes enfants soient sauvés, que mon mari, que ma femme soit sauvée, que mes frères et soeurs soient sauvés. Mais bien, mais surtout si tu sens que ton mari, il n'aime pas la prière, si tu sens que tes enfants n'aiment pas la prière, si tu vois que ta femme n'aime pas la prière, si tu vois que ta famille, l'un de ta famille n'aime pas Dieu, mais bien, mais dans le Seigneur, c'est le moment où tu vas demander, parce que tu as la clé maintenant, tu as la clé entre tes mains, alléluia, tu vas dire simplement, mon Père, alors que je me tiens devant, alléluia, devant la porte du matin, que ma famille soit sauvée dans le nom de Jésus. Alléluia, prions le Seigneur, au nom de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens, alors que je me tiens dans la porte du matin ce matin, alors que je me tiens dans la porte du matin ce matin, que ma famille soit sauvée, que mes enfants soient sauvés, que mes enfants puissent t'aimer davantage, que mes enfants puissent chercher ta face, que mes enfants puissent se trouver encore en toi, ô Dieu du pâturage, Dieu de gloire, ô Dieu, alors que je me tiens devant la porte du matin ce matin, alors que je me tiens devant ta porte, alors que je me tiens devant ta porte, je veux que ma famille, je veux que mes enfants, je veux que ma femme ne puisse pas rater, oh Dieu de gloire, ta seigneurie, ne puisse pas rater du bonheur que tu possèdes, ne puisse pas rater, alléluia, l'enlèvement, ne puisse pas rater à la vie éternelle. Alors sauve ma famille, sauve ma famille, sauve mes enfants, le sauve ce matin, oh Dieu, je te prie ce matin, sauve ma famille, sauve mon frère qui encore, alléluia,
qui est encore dans le monde, qui est encore dans les choses du monde. Je te prie ce matin, je te prie ce matin, alors que je me tiens devant la porte du matin, alors que je me tiens devant ta porte ce matin, je veux que ma famille soit sauvée, je veux que ma famille soit sauvée, mes frères et soeurs soient sauvés, oh mes frères de la tour de prière soient sauvés, et que chacun de nous, Seigneur de gloire, puisse hériter le royaume, hériter la justice de Dieu, hériter la vie éternelle, dans le nom de Jésus. Alors, mon Père, alors que je me tiens devant la porte du matin, alors que je me tiens devant ta porte ce matin, et que ma famille soit sauvée, et que ma famille soit gagnée en Christ, et que ma vie, ma famille soit, alléluia, récupérée ce matin par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance de ta parole. Oh mon Père, alors que je me tiens devant la porte du matin, je veux que ma famille soit sauvée, je veux que mes enfants soient sauvés, je veux que ma nation soit sauvée, je veux que mon pays soit sauvé. Je veux ce matin, Seigneur, et que tu sauves les âmes, et que tu sauves les vies, et que tu sauves de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens devant la porte du matin, oh, je veux ce matin que ma famille soit sauvée, ma famille biologique, ma famille, Seigneur, spirituelle, ma famille, Seigneur, de gloire, Père physique, ma famille, Seigneur, de gloire, Père, oh, Dieu, que tu m'as donné, oh, je veux, Seigneur, de gloire, et que ma famille soit sauvée, sauvée par ta parole, sauvée par ta parole, au nom de Jésus. Ah, sauve ma famille ce matin. Sauve ma famille ce matin. Oh Dieu, que personne ne perde et que personne ne recule et que personne ne soit, Seigneur, en dehors de ta présence. Oh, je te prie ce matin, sauve ma famille. Sauve ma famille. Sauve mes frères. Sauve mes enfants. Sauve, Seigneur de gloire, Père. Ah, je te prie, tendre Père. Je te prie, tendre Père. Sauve ma famille, Seigneur de gloire, Père. Oh Dieu, je te prie ce matin. Commence à sauver. Commence à sauver. Allez en inculquer la mentalité d'en haut. D'enlever le goût de la cigarette. D'enlever, Seigneur, le goût du monde. D'enlever, Seigneur de gloire, Père, la procrastination. D'enlever, Seigneur de gloire, Père, le manque, Seigneur de gloire, d'amour. Oh, je te prie ce matin, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Mon Père, je viens ce matin. Que ma famille soit sauvée. Enlève les querelles. Enlève Seigneur, le trouble. Enlève les divorces dans les couples, dans les familles. Enlève les zizanies, enlève le trouble. Oh mon Père, je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Alors que je me présente dans la porte du matin. Alors que je me présente dans ta présence ce matin. Je veux que ma famille soit sauvée, soit délivrée ce matin, soit lavée ce matin, soit libérée ce matin de la mort du péché dans le nom de Jésus. Ramakabosha. Remakamandereboshia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de maintenant et à jamais. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Alléluia. Tu vas encore prier ce matin. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas dire, ô Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, toi qui es la porte des brebis, garde ma vie, mes enfants, alléluia, ma femme, ma nation, dans le nom de Jésus. Et que nous soyons gardés en toi. Mais bien aimé, parce qu'il dit, lorsque nous allons rentrer, alléluia, nous allons rentrer et nous allons sortir et nous trouverons, mes bien aimés dans le Seigneur, du pâturage. Alors ce matin, alléluia, tu vas dire simplement, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la porte des brebis, garde ma vie, garde mes enfants, garde mon mari, garde ma femme, alléluia, garde ma nation, garde mon pays, garde ma famille fidèle à toi dans le nom de Jésus, afin de pouvoir trouver du pâturage en toi dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la porte des brebis, toi qui es la porte des brebis, toi qui dis je suis la porte, je suis la porte, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la porte de ma vie, toi qui es la porte des brebis ce matin, je te prie de garder ma vie, je te prie de garder la vie de mes enfants, de garder la vie de ma femme, de garder la vie de la tour de prière semaine, de garder la vie de mes frères et sœurs, de protéger, oh Père éternel, Saint Seigneur
par Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la porte des brebis, toi qui es la porte des brebis, garde, protège, et que nous puissions trouver de la protection. Oh, que tu protèges mes enfants contre le mal, contre, Seigneur, l'épidémie, contre, Seigneur, de gloire, la tempête, contre, Seigneur, de gloire, le risque de l'ennemi. Oh, mon Père, je te prie ce matin que Jésus-Christ, qui est la porte des brebis, puisse garder nos cœurs, garder nos vies, garder nos enfants, garder la tour de prière semeur, garder le frère de soeur, oh, de ceux qui sont faibles, ceux qui sont encore faibles, ceux qui sont encore à la mamelle, ceux qui sont encore, Seigneur, de gloire, dans du lait, ceux qui sont encore, alléluia, dans le bas âge spirituel. Oh, mon Père, je veux ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la porte des brebis, garde. La Bible déclare, c'est toi qui gardes mieux, c'est toi qui gardes mieux ce matin. Garde ma famille, garde mes enfants, garde ceux qui sont connectés pour la première fois, Seigneur. Oh Dieu, ils demandent, Seigneur, de l'aide. Oh Dieu de gloire, je te prie ce matin, et que tu puisses garder, et que tu puisses protéger, et que tu puisses, Seigneur, sécuriser, Seigneur, les couples, Seigneur, et qu'il n'y ait point de divorce, qu'il n'y ait point, alléluia, des incompréhensions dans les couples, dans le nom de Jésus. Oh mon Père, ce matin, alors que je me tiens devant la présence de ton Saint-Nom, oh, alors que je me présente devant ta présence, le Dieu puissant, ah, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la porte des brebis, garde les familles, garde les enfants, garde, Seigneur, le couple, au nom de Jésus. Saint et sauf, fidèle à toi, dans le nom de Jésus, protège, Seigneur, veille sur eux ce matin, veille sur eux ce matin, dans le nom de Jésus, 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 ce matin, pour alléluia, manifeste de ta grâce ce matin, garde, Seigneur, c'est toi qui gardes Israël, c'est toi qui protèges ce matin. Alors je te prie ce matin de protéger ma famille au spirituel, de protéger, Seigneur, mes frères et sœurs, de protéger, Seigneur, mes enfants, de protéger ma femme, de protéger, Seigneur, de gloire, Père, la tour, de protéger, Seigneur, des membres, de protéger encore ce matin, parce que c'est toi qui es, alléluia, la porte des brebis. Ah, je te prie ce matin de pouvoir protéger encore, de pouvoir garder encore, sécuriser, parce que le temps sont mauvais. Le temps est mauvais ce matin. Alléluia, le temps est encore critique. Je te prie ce matin, toi qui gardes mieux ce matin, garde nos cœurs, garde nos vies ce matin, fidèle à toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, là tu vas dire, mon Père, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, alléluia. Ouvre-moi ta porte, alléluia. Et que je possède, et que je possède en moi, alléluia. Et que je possède en moi ta richesse. Et que je possède en moi ta richesse, dans le nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, et que tu possèdes la richesse de Dieu. La richesse de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. Amen. La richesse, je dis bien la richesse de Dieu. La richesse de Dieu, la richesse de Dieu. Je dis bien la richesse de Dieu. Alors, mon Père, ouvre-moi la porte que je possède ta richesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela que tu vas dire. Prions le Seigneur. Mon Père, alors que j'avance devant ta présence, ouvre-moi la porte que je possède, alléluia, ta richesse ce matin. Que je possède, alléluia, ta demeure ce matin. Que je possède ton environnement ce matin. Que je possède ta richesse ce matin dans le nom de Jésus. Mon Père, ouvre-moi la porte. Que cette porte soit ouverte dans le nom de Jésus. Enfin, de posséder la richesse. De posséder, oh Dieu Père, ma demeure en toi. De posséder ma place en toi. De posséder, alléluia, la sainteté en toi. Dans le nom de Jésus. Mon Père, ouvre-moi la porte ce matin. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la porte des brebis. Toi qui es la porte, tu dis, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, ah, il sera sauvé.
sauver. Oh mon Père, je veux ce matin, oh que la porte soit ouverte et que je puisse posséder la richesse de Christ et que je puisse posséder la demeure de Dieu et que je puisse posséder la valeur de Christ dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, Seigneur Jésus, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte ce matin afin que je puisse posséder ta richesse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin que je puisse posséder ta richesse, afin que je puisse demeurer en toi, afin que je puisse vivre une vie de sanctification, une vie de piété, une vie de miracle au nom suprême de Jésus, de maintenant et à jamais. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh mon Père, ouvre-moi ce matin la porte, Seigneur, afin que je puisse posséder ta richesse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ramakabo shiandarabosa. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors tu vas encore prier le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas encore dire, ce matin tu vas dire, ô Père éternel, alléluia, que ma vie, alléluia, soit, alléluia, une porte, alléluia, de bénédiction. Alléluia, que ma vie soit une porte de bénédiction. Alléluia, que ma vie soit une porte de bénédiction. Au nom de Jésus, alléluia, tu vas prier le Seigneur. Tendre Père, me voici devant toi, que ma vie ce matin soit une porte de bénédiction. Une porte de bénédiction en Christ et Jésus. Oh, alléluia, que ma vie, alléluia, oh Dieu de gloire, soit une porte de bénédiction ce matin, dans le nom de Jésus. Et que je sois, Seigneur, une porte de bénédiction. Et que je sois un porteur de bénédiction. Que je sois une porte et que je sois aussi un porteur de bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Père, ce matin, oh Dieu, je veux que ma vie soit une porte de bénédiction. Une porte de bénédiction et que je puisse posséder et que je puisse porter la bénédiction dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, là maintenant tu vas commencer à décréter, tu vas commencer à proclamer maintenant. Alléluia, tu vas dire ce matin, alors que je me tiens dans la porte du matin, ce matin, la porte des brebis ce matin, alors tu vas dire, alléluia, que la porte des miracles soit mon partage. Alléluia, que la porte de la grâce soit mon partage. Que la porte de la guérison soit mon partage. Que la porte de la victoire soit mon partage. Alléluia, que la porte de la richesse soit mon partage. Que la porte des miracles soit mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, tu vas dire ce matin. Tu vas dire ce matin. Alors que je me tiens à la porte de brebis ce matin. Alors que je me tiens à la porte de brebis ce matin. Je déclare, je décrète que la porte de la richesse, que la porte du miracle soit mon partage. Que la porte de la grâce soit mon partage. Que la porte de la guérison soit mon partage. Que la porte de la victoire soit mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans cette journée. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Rakaboshi kandarabosaya. Au nom suprême de Jésus. Alors que je m'avance. Alors que je me présente dans la porte des brebis ce matin. Je déclare la porte de miracle soit mon partage. La porte de la grâce soit mon partage ce matin. Je déclare le miracle va me visiter. Je déclare la grâce de Dieu va surabonder dans ma vie. Je déclare ce matin la guérison sera dans mon corps. La guérison va rentrer dans ma maison. La guérison va me trouver. La guérison va, alléluia, me localiser dans le nom de Jésus. Je déclare la porte de la guérison. Je déclare la porte de la grâce. Je déclare la porte de miracle dans ma vie, dans ma journée ce matin, dans le nom de Jésus. Je déclare la porte de la victoire. La porte de la victoire s'ouvre, alléluia, dans ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Alors que je rentre dans la présence de Christ, alors que je rentre dans la porte de Christ, je déclare, je décrète ce matin, la victoire m'appartient. La victoire est mon partage. La guérison est ma portion. Ah, la grâce de Dieu surabonde dans ma vie, dans le nom de Jésus. Le miracle de Dieu est mon partage ce matin. Le miracle de Dieu, alléluia, et mon partage ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
nom de Jésus. Alors que je me prosterne devant toi ce matin, je déclare ce matin la porte de faveur ce matin. Alléluia, mon partage ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Là encore, tu vas décréter, tu vas confesser ce matin. Alléluia, tu vas confesser ce matin. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alors, je confesse dans le nom de Jésus-Christ. Je trouve du pâturage dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Ah, parce que la porte est déjà ouverte. Alléluia, car parce que la porte est déjà ouverte. Alors, tu vas confesser. Je confesse que, au nom de Jésus-Christ, je trouve du pâturage dans tous les domaines de ma vie, dans cette journée, dans le nom de Jésus. Je confesse ce matin. Prions le Seigneur. Je confesse ce matin. Je confesse ce matin dans le nom qui m'a été conféré, dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse ce matin. Je trouve du pâturage dans tous les domaines de ma vie. Je trouve du pâturage dans chaque niveau de ma vie. Je trouve du pâturage dans cette journée. Je trouve du pâturage dans ma vie au nom de Jésus. Parce que la porte est déjà ouverte. L'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a ouvert la porte. Oh, ce matin, je confesse, je trouve du pâturage. Je trouve du pâturage dans tous les domaines de ma vie dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je déclare ce matin, je trouve du pâturage dans tous les domaines de ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous entrons, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour trouver du repos. Alors tu vas déclarer le repos de Dieu. Alléluia, tu vas déclarer le repos de Dieu dans ta maison, le repos de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu vas simplement dire, alors que je me tiens dans la présence, alléluia, de Christ, alors que je me tiens dans la porte des brebis ce matin, je déclare le repos et mon partage. Le repos, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire la tranquillité. Le repos, cela veut dire la paix de Dieu. Le repos, alléluia, c'est cela veut dire, on est bien aimé dans le Seigneur, la tranquillité, la paix de Dieu, le shalom de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, alors que je me tiens devant la présence des brebis, alors que je me tiens devant la porte des grilles de Christ, alors que je me présente ce matin, ô Dieu de gloire, je déclare, Seigneur de gloire, le repos dans ma maison, le repos sur mes enfants, le repos dans ma vie, le repos sur mes frères et sœurs, le shalom de Dieu. Je trouve du repos en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, je déclare le repos Seigneur, la tranquillité, la compréhension, alléluia, oh Dieu Père, la réjouissance, je déclare ce matin Seigneur dans ma maison, le repos de Dieu dans mon cœur, le repos de Dieu dans ma conscience, le repos de Dieu dans ma journée, dans le nom de Jésus. Ah, je déclare ce matin le repos de Christ, oh Dieu de gloire, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus ce matin. Dans le nom de Jésus. Il est puissant, il est glorieux notre Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, recommandons la journée entre les mains du Seigneur. Recommandons cette journée et que cette journée, alléluia, les portes de la grâce, les portes de la faveur restent ouvertes dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Tendre Père, oh Dieu de gloire, je déclare ce matin, Seigneur, oh Dieu, que cette journée, Seigneur, ramène, Seigneur, oh Dieu de gloire, le bonheur. Et que cette journée, Seigneur de gloire, Père, soit une journée, oh Dieu, je vais explorer, je vais expérimenter. Alléluia, oh Dieu de gloire, que les portes sont ouvertes, les portes de la richesse, les portes de la grâce, les portes de la faveur, les portes de miracles, les portes de la justice, les portes, Seigneur, de la sainteté, les portes, Seigneur, de la complicité avec ton Esprit Saint. Ah, oh Dieu de gloire, je déclare ce matin, ma journée est bénie. Je déclare ce matin, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, afin de recevoir, alléluia, la plénitude, la plénitude, la grâce, la faveur de Dieu dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus.
Ah, que ton nom soit béni ce matin parce que tu nous as bénis. Tu nous as bénis ce matin, Seigneur, en ouvrant des portes, en ouvrant des portes de la richesse, en ouvrant des portes de la guérison, en ouvrant des portes de la bénédiction, en ouvrant des portes, Seigneur, de la richesse, en ouvrant réellement ta source, alléluia, de l'eau vive. Que ton nom soit béni dans cette journée. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, hosanna, hosanna. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais rendre gloire à Dieu pour ce temps merveilleux. Alléluia, toi aussi tu vas rendre gloire à Dieu pour cette belle journée que le Seigneur nous a donné la force de pouvoir chercher sa présence. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions quitter le Saint-Esprit, mes mains à cœur, il y a, aujourd'hui on est le 6 novembre. Le 6, c'est le chiffre, alléluia, c'est le chiffre de la création de l'homme. Alléluia, l'homme a été créé le 6e jour. Amen. Alors nous allons demander que Dieu puisse créer de nouvelles choses. Parce que les portes sont ouvertes, que Dieu puisse créer de nouvelles choses dans nos vies. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous voici devant toi. Le chiffre 6, cela veut dire, Seigneur de gloire, Père, Seigneur, c'est le 6e jour que tu as créé l'homme. Seigneur Dieu, nous te prions ce matin. Oh Dieu de gloire, crée une belle œuvre, Seigneur, dans notre cœur. Une belle œuvre, Seigneur, dans notre vie. Une belle œuvre dans cette journée, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de gloire, de créer quelque chose. De créer quelque chose au-dedans de nous, dans le nom de Jésus. De créer quelque chose au-dedans de nous, dans le nom de Jésus. Dans nos maisons, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur de gloire. Crée ce matin la création, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, de quelque chose dans nos vies ce matin, dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, lorsque tu as créé l'homme et la femme, tu as dit, alléluia, c'était très bon. Seigneur Dieu de gloire, je te prie, quelque chose de très bon, Seigneur de gloire, Père, s'opère dans nos vies, c'est créé, Seigneur de gloire, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, alléluia, nous allons tous ensemble rendre gloire à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour les portes, alléluia, pour la porte de la grâce, alléluia, pour l'opportunité que Dieu nous donne. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu parce que tu as créé de belles choses dans nos vies. Merci parce que les portes réellement, Seigneur de gloire, est à notre portée. Alléluia Seigneur, nous te disons merci. Oh Dieu, la richesse est notre pouvoir. Là, oh Dieu de gloire, le bonheur est notre partage. Éternel Dieu, que ton nom soit béni. Je bénis, Seigneur de gloire, Père, mes frères et sœurs. Je bénis, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, ma famille, tour de prière semeur. Je bénis la tour de prière semeur. Et que la tour de prière semeur demeure toujours. Alléluia, fidèle. Et que la tour de prière soit toujours, alléluia, auprès du Maître. Oh Dieu de gloire, nous te prions ce matin, manifeste de ta grâce. Agis encore, Seigneur de gloire, et bénis, Seigneur de gloire, cette journée. Et que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de miracles, une journée de faveurs, une journée excellente, dans le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, à toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous t'avons aussi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que vous puissiez partir, avant que nous puissions nous séparer, ne partez pas. Et si vous avez contribué ou vous avez envoyé votre participation ou contribution par MoneyGram ou RIA, tout ça, et que vous sentez que non, on n'a pas encore reçu cela, vous pouvez faire, alléluia, à nouveau. Pardon. Vous pouvez nous rappeler. Vous allez envoyer le message sur le numéro de la tour. Et après ce moment-là, on va vous contacter ou alors on va aller à chercher l'argent que vous avez envoyé pour la maison de prière. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège richement, richement. Soyez bénis, ne partez pas ainsi. Aimez la vidéo. Alléluia, aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, nous allons commencer notre jeûne de prière à partir du 10. À partir du 10, nous avons jeûne et prière. Alléluia, ne manquez pas, mes bien-aimés. C'est pour demander la gloire de Dieu
dans nos vies. Que la gloire de Dieu soit manifeste et la gloire de Dieu soit réellement palpable dans le nom de Jésus. C'est où le... Alléluia. Je voulais vous mettre l'annonce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, je mets juste celui-là. Voilà, je mets juste celui-là, 40 jours. Alléluia. Donc, du 10 au 20 décembre, nous aurons notre jeûne et prière. Alléluia. Ça sera glorieux, ça sera intense. Ne manquez pas, préparons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Commencez à manger léger. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement. Aimez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite une excellente journée glorieuse dans la présence de notre Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Pour ceux qui sont connectés pour la première fois, je vous dis un grand shalom. Soyez tous bénis. Si vous pouvez vous abonner sur notre chaîne, Dieu vous donnera beaucoup de bénédictions. Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Summer pour plus d'édification.